c'est de vous dire merci. Merci à tous ceux qui nous aident bénévolement, bienveillamment. Et surtout les entreprises qui, à travers le CSA, nous donnent les fonds dont nous avons besoin pour vivre. Alors, c'était dans un esprit de transparence. Nous avons voulu ce matin vous réunir pour vous dire merci et vous donner aussi un aperçu des activités que nous avons accomplies pendant l'année. Ce sera le rôle de Jonathan et de Bélal, nos jeunes contributeurs, nos jeunes membres. Alors, si nous avons choisi cette date du 27 septembre, parce que nous avons eu la Journée internationale de la paix qui a été célébrée le 21 septembre, et aussi nous avons eu cette grande réunion de tous les chefs religieux assis auprès du pape François, et continuer cette tradition de l'interreligieux au niveau international, qui est tellement importante pour la paix mondiale. Alors, je vous dis donc, l'objectif de notre réunion ce matin, c'est de vous remercier et de vous dire et de vous partager ce que nous avons accompli avec votre aide pendant l'année. Alors, merci beaucoup. Merci à une petite mention spéciale pour M. George Dumble qui est là et qui a été l'instigateur, le coordonnateur de toute démarche financière pour pouvoir soutenir le conseil à travers les CSR. Merci, George Dumble. Thank you very much for your presence. Mais confiant et heureux de vivre une fois encore la grâce de nous retrouver si divers et pourtant solidaire, accueilli par celui que nous voulons tous servir. Grâce et paix. That our population of 1.3 million people belong to or adhere to a diversity of religions, the major ones being Hinduism, Christianity, and Islam. And that for centuries, all these religious denominations have been cohabiting harmoniously in peaceful coexistence. In fact, Mauritius is an example, a model of peaceful coexistence to the world. Furthermore, among all the African countries, Mauritius ranks among the top in a number of indicators of quality of life and social standing. Faire écho à ce que le père Philippoupi vient de dire, nous voulons dire avec humilité, avec modestie, mais avec vérité et conviction, la place indéniable que qu'ont les religions et que jouent les organisations, les institutions, les personnes religieuses et croyantes dans cette République que nous aimons tant. Il est indéniable de considérer les religions et les institutions religieuses ainsi que les croyants dans le sens citoyen. Il est indéniable de considérer leur place, leur rôle indispensable.